Mary et Plamedi, toute étudiante en économie à l'université de Colwezi. Celle-ci utilise la connexion internet, reconnaissant les perturbations à chaque fois qu'elle mène des recherches. Bon, la connexion ces derniers temps, ça complique un peu trop. La connexion n'est pas stable. Moi, quand la connexion complique, j'utilise deux SIM, je change parfois. Certaines applications sont incontournables. Sans connexion, ont-elles renchéri? Avec le système LMD, ça me demande beaucoup plus de recherches, connaissances personnelles. Donc, je fais des recherches souvent sur Google, TikTok, il y a WhatsApp, il y a YouTube, Instagram aussi. Connexion me sert parfois à faire des recherches avec notre système LMD. On est censé faire des recherches personnelles vu qu'il n'y a plus de syllabus. Il y a deux fois le professeur envoie un syllabus sous format PDF. En croire l'ingénieur Élisée Kabound, expert en informatique de réseau. Le problème de la connexion est totalement lié aux équipements et non de la saturation. D'abord, j'aimerais souligner que le réseau n'est pas saturé. Le réseau que nous avons n'est pas tout d'abord utilisé. Vous allez voir, le problème de la lenteur que nous constatons ces derniers temps est lié premièrement au problème d'équipement et à leur configuration. Au-delà de ça, y compris aussi les modes de maintenance qui n'est pas cohérent, qui n'est pas efficace. Les réseaux sociaux n'atteignent pas la large gamme prévue pour la consommation. Les opérateurs de la télécommunication doivent changer des stratégies en vue de livrer la meilleure connexion aux consommateurs. C'est qu'il faut faire un recensement correct de la population. On peut cibler une zone X. On s'est dit qu'on puisse descendre sur le terrain. Question d'aller porte à porte par porte, de savoir combien de gens utilisent la connexion. Qu'est-ce qu'ils font? Combien de gens utilisent la nouvelle technologie et l'information de communication? On doit savoir. On s'est dit, voilà, ici, il y a autant de personnes qui utilisent la connexion et qu'est-ce qu'ils font avec la connexion? Lorsqu'on a une idée sur une zone ciblée, on peut se dire, alors cherchons des équipements, des technologies qui seront propres ou qui peuvent aider cette zone d'avoir une connexion stable. Lors de grands événements, surtout sportifs, la connexion Internet sur l'ensemble de la ville de Colwezi, précisément, serait lente, pensent certains observateurs avertis.